Alors, je souhaite la bienvenue à M. Stephen Erdely et Maître Stephen Mitchell Brownstein, conseiller municipal de la ville de Côte-Saint-Loup. Bienvenue, merci pour être ici avec nous et je vous demande de vous identifier ainsi que la troisième personne avec vous. Et pour faire votre présentation, vous avez 20 minutes suivies d'un échange avec les députés membres de la commission. Alors, M. Erdely, le micro c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous les membres du Commission pour nous avoir accueillis aujourd'hui. On est très heureux d'être ici, de pouvoir présenter les résultats de nos programmes de collecte des matières organiques qu'on vient de commencer l'année passée. Avec moi, à ma droite, c'est le conseiller Mitchell Brownstein, qui est le conseiller municipal responsable pour les travaux publics. À ma gauche, il y a David Torchman, qui est le directeur des travaux publics et aménagement urbain. Derrière moi, il y a Daryl Levine, qui est le directeur des communications et des affaires publiques, et Oriana Familiar, qui est la technicienne en matière résiduelle. Notre présentation aujourd'hui sera faite en 7 parties. Je vais commencer avec une introduction brève. Je vais continuer avec une planification originale, l'implantation. La quatrième partie sera les résultats et les conclusions, et après les recommandations. Cette présentation fournira l'information de fond concernant les méthodes utilisées par la Ville de Côte-Saint-Luc pour implémenter nos programmes de collecte de matières organiques. On est une des seules villes à Québec et la seule ville sur l'île de Montréal qui a un programme de collecte de matières organiques. Et nous espérons que notre programme de collecte à trois voies devient un modèle pour toutes les municipalités à travers le Québec. Je vais commencer avec une brève introduction sur l'histoire sur le statistique concernant le recyclage dans la ville de Côte-Saint-Luc. En 2004, on est rendu au taux de recyclage de 27 % et le taux de recyclage des matières organiques était seulement 16 %. Après qu'on a été élu, on a regardé ces numéros et on a décidé comme conseil que c'était une de nos priorités d'avancer et d'améliorer notre performance environnementale. On a décidé de commencer un programme de recyclage dans nos appartements et nos condominiums et aussi de commencer un programme de collecte de matières organiques dans les maisons unifamiliales.
Alors, en septembre 2007, on est devenu la seule municipalité sur l'île de Montréal. On espère qu'on serait aussi la première ou une des premières villes au Québec pour atteindre la cible de 60 % de réacheminement des déchets tel qu'annoncé dans la politique québécoise de gestion des matériels résiduels 1998 à 2008. En août 2006, le conseil de la ville de Côte-Saint-Luc a adopté à l'unanimité un plan en trois phases pour la collecte des matières organiques. La première phase, c'était de lancer un projet pilote avec à peu près 500 maisons pour collectionner leurs matières organiques. La deuxième phase, qui va bientôt commencer en septembre de cette année, c'est d'étendre le projet de collecte des matières organiques dans toutes les maisons unifamiliales et dans tous les duplex dans la ville de Côte-Saint-Luc. Et la troisième phase, c'est d'étendre la collecte des matières organiques dans tous les condominiums et les appartements à Côte-Saint-Luc. Maintenant, je vais donner la parole au conseiller Brownstein pour parler un peu sur la collecte. Okay. Comme mon dossier, c'est le travaux public, je vais vous expliquer brièvement la situation globale à Côte-Saint-Luc. En 2006, on a utilisé des contracteurs privés pour toute la collection de nos déchets. Et c'était pour un prix de 450 000 $. Mais quand on a fait des appels d'offres en 2006 pour l'année 2007, la soumission le plus bas était pour 1 million de $. On a pensé, est-ce qu'il y a des moyens? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus que double le coût de l'année avant. On a pensé de ça et on a demandé à notre directeur de travaux publics, David Torgman, de faire une analyse, de voir si on a une autre option. Est-ce que c'est possible de le faire dans la ville avec nos cols bleus? Et il a trouvé une situation, il a fait l'analyse, et pour une ville de à peu près 30 000 personnes, avec 7 personnes, on a engagé 7 personnes et on a acheté 3 camions. Et c'était possible de faire toute la collection de nos déchets dans notre ville. Au lieu de le faire en 2 jours, on le fait en 4 jours. On a divisé la ville en 2 et on a fait une partie de la ville lundi et jeudi, l'autre part de la ville mardi et vendredi, avec ces 7 personnes et ces 3 camions. Et le prix était pour à peu près 500 000 $. Mais on a eu beaucoup d'autres bénéfices aussi, parce que maintenant, on était le maître de notre maison, le propriétaire des véhicules et l'employeur de nos employés. Et c'était possible pour nous de faire ce qu'on veut avec cette situation. On a commencé avec son projet de pilote, avec 500 maisons, en utilisant les mêmes camions et les mêmes personnes, 1 jour par semaine dans ce secteur. Ça veut dire... Mardi, il fait les matières organiques et il fait le transport jusqu'au le site de traitement. Et vendredi, il fait le ramassage de nos déchets domestiques et il fait le transport à le site d'enfouissement. Pour notre ville aussi, on fait le recyclage avec un contracteur privé, toujours seulement les mardis, et on continue avec ça. Mais avec le grand montant d'argent qu'on a épargné, pour l'année 2008, on a mis dans le budget 300 000 $ pour le recyclage et on a assez maintenant dans notre budget, moins de 1 million de $, pour faire toute la ville avec le recyclage, les matières organiques et les déchets domestiques. On va essayer de le faire toute la ville cette année. On a engagé aussi un technicien en gestion environnementale et ses tâches sont expliquées dans annexe numéro A pour vous de le lire. Merci. Je laisse la parole pour les détails à M. Urdely et je lui remercie aussi parce que ça, c'est son bébé. Il travaille très fort sur cette présentation et sur tout ce qu'on a fait à Côte-Saint-Luc. C'est des jeunes conseillers avec des jeunes idées qui nous aident pour être le premier dans, j'espère, un modèle pour toutes les autres villes au Québec. Et on peut faire des copies de ce qu'on fait à Côte-Saint-Luc, mais c'est impossible de faire une copie de Stephen Urdely. Merci, M. Brownstein. Vous êtes très gentil. Alors, juste pour continuer, la ville a décidé de débuter le projet pilote en septembre 2007.
On voulait commencer dans l'automne parce qu'on avait crainte que les résidents plaignaient qu'il y avait des odeurs et ne participeraient pas. Alors, on a distribué tous les bacs durant la semaine du 17 septembre 2007 et la première collecte a eu lieu le 25 septembre 2007. Maintenant, je vais parler sur la troisième partie, l'implantation. Je vais commencer par vous montrer les bacs. La ville de Côte-Saint-Luc a décidé de donner à chaque maison de 500 un bac de cuisine qui a grandeur de 7,5 litres. On a aussi décidé de donner à chaque maison un bac brun de compostage, c'est ce qui a la grandeur de 46,5 litres. Le bac de cuisine, les résidents pouvaient mettre dans leur cuisine, soit sur leur comptoir ou sous l'évier. Le bac brun, ils pouvaient mettre dans leur garage ou à l'extérieur, où ils mettaient leurs ordures. On avait plusieurs discussions sur la grandeur des bacs. On a décidé d'aller avec un bac assez petit, parce que pour deux raisons. À Côte-Saint-Luc, on a le montant le plus haut au Québec des aînés. Alors, on a décidé que c'est peut-être plus facile pour eux d'utiliser les bacs qui sont plus petits. Aussi, on a regardé les autres villes, par exemple Toronto, on a vu que dans ces régions là-bas où ils ont des garages qui sont plus petits, c'est plus facile si les gens ont un bac plus petit. Alors, on a décidé d'aller avec le bac de 46,5 litres. On a aussi donné aux résidents le choix d'échanger leur bac pour un bac plus grand. Alors, s'ils décident que c'est trop petit, ils peuvent aller à nos travaux publics et on a des bacs de 120 litres et de 240 litres et peuvent échanger gratuitement. Pour le traitement des déchets, on voulait au commencement aller au complexe environnemental Saint-Michel sur l'île de Montréal, mais ils prenaient seulement la collecte des feuilles mortes durant la collecte saisonnière. Alors, on a décidé finalement d'aller avec GSI Environnement. C'est une compagnie qui fait déjà le traitement du produit, du matière organique de plusieurs villes en Ontario. Et aussi, ils faisaient le traitement du matière organique d'un projet pilote dans la ville de Pointe-Claire. On a discuté avec GSI pour décider quelle matière on allait prendre. On a décidé de prendre tous les résidus de table, tous les emballages d'aliments en papier ou carton et tous les résidus du jardin. En termes de sacs, on avait quelques discussions aussi. On a regardé quatre options. Le premier était de doubler les bacs de papier journal. Le deuxième était d'utiliser des sacs en papier. Le troisième, c'était d'utiliser des sacs compostables. Et le quatrième était d'utiliser des sacs d'épicerie en plastique. Au fur et à mesure, on a décidé d'aller avec les trois premières et non le quatrième. Les sacs en plastique sont disponibles presque partout dans les magasins, dans les épiceries, mais ils prennent des centaines d'années pour décomposer. Aussi, si on a fait avec les sacs d'épicerie, le coût du traitement serait presque double. On paie à peu près 59 $ par tonne pour le traitement, mais si on utilisait des sacs en plastique, le coût serait à peu près entre 100 et 130 $ pour le traitement. Aussi, on voulait donner aux résidents des choix. Alors, on a donné des choix entre les journaux, entre aussi les sacs en papier ou les sacs compostables. On a donné à chaque résident des échantillons des sacs compostables, qu'on a quelques modèles ici, et on est assez content que la plupart des gens sont prêts à acheter les sacs compostables qui sont disponibles dans plusieurs magasins à Côte-Saint-Luc et aussi à l'hôtel de ville et aux travaux publics. Le plus grand obstacle, et je vais parler en plus sur quand je continue avec les recommandations, c'est qu'il y avait quelques citoyens qui ne voulaient pas acheter ces sacs. Et sur ce sujet, je vais continuer plus tard. En termes du zone, on a décidé d'aller avec 500 maisons parce que c'est presque le montant pour un tour du camion à ordures. En termes de communication, on a donné à chaque résident
papier plastifié avec toutes les informations importantes. On a aussi donné un pamphlet avec les questions fréquemment demandées et un DVD. Vous avez tout dans, vous avez les pamphlets dans l'annexe. Je vais maintenant montrer juste un petit, le DVD c'est à peu près 8 minutes, mais je vais montrer seulement 1 ou 2 minutes aux membres du commission. Le nouveau programme de collecte de matières organiques à l'aide de bacs bruns est simple et efficace. Votre équipement de collecte comprend un bac brun pour usage extérieur, un bac de cuisine pour usage intérieur, des sacs compostables, une brochure de directives et une fiche d'information. Placez votre nouveau bac brun à l'extérieur ou à l'intérieur de votre garage, là où vous placez vos ordures ménagères. Vous êtes prié d'indiquer votre adresse sur le bac brun. Placez votre bac de cuisine sur ou au-dessous de votre comptoir de cuisine, là où il vous convient le mieux. Vous pouvez placer également un conteneur de votre choix dans d'autres chambres de votre maison où s'accumulent des déchets organiques domestiques. Revêtir l'un des deux bacs d'un sac biodégradable à 100 %. Veuillez revêtir soit votre bac de cuisine, soit votre bac brun. Vous pouvez réutiliser de vieux journaux ou des sacs de papier, y compris des sacs à provisions, des sacs d'aliments pour animaux ou des sacs à emporter de papier. Vous pouvez utiliser également les sacs compostables qui vous sont fournis. Il faut bien s'assurer de toujours utiliser des sacs compostables ayant une des marques de certification suivantes. Des boîtes de sacs compostables supplémentaires peuvent être achetées dans des magasins de détail et à l'hôtel de ville de Côte-Saint-Luc. Vous pouvez dorénavant déposer presque tous les résidus organiques dans le bac de cuisine au lieu de la poubelle. Ces matières incluent les pelures de fruits et légumes, les restes alimentaires, le papier mouillé ou souillé, les aliments pourris et même les excréments d'animaux. Voici une liste de matières que vous pouvez y déposer. Fruits et légumes, pâtes, pain et céréales. C'est juste une partie, comme je dis, c'est à peu près 8 minutes. C'est aussi sur notre site web. On a donné à chacune des 500 maisons une copie du DVD. Et aussi, on avait deux réunions pour les résidents pour qu'ils puissent voir s'ils n'avaient pas un lecteur de DVD. En plus, on est allé, plusieurs des conseillers, on avait des bénévoles de notre comité d'environnement et aussi des patrouilleurs verts. On est allé à chacun des 500 maisons, porte à porte, pour leur expliquer comment se fonctionne ce programme. Les réactions étaient généralement très positives. Alors, on était très contents et j'espère que ça va continuer quand on va élargir le programme dans le mois de septembre. En termes de coûts, c'est le coût pour tous les bacs de cuisine, le bac brun, toutes les informations didactiques, c'était à peu près $25 par personne. Alors, pas très cher. Le coût du traitement, comme j'ai dit, c'est à peu près $59 par tonne, qui est presque le même du frais pour déverser dans une décharge, qui est $55, soit $45 plus $10 en redevance. En termes du résultat, la quatrième partie, on a atteint un niveau de participation de 85% dans les premières 4 semaines. Et après, maintenant, c'est à peu près 85% chaque semaine en termes de 500 maisons participantes dans le projet pilote. En termes de tonnage, on a un tonnage moyen de 1,89 tonnes par semaine. Et en termes du pourcentage qui est détourné des décharges, on estime un taux de 54,53%. Alors, on est presque au cible de 60%, mais on n'est pas encore là, mais on espère que dans les prochains mois, on sera à ce niveau. Comme je l'ai dit, on a commencé, on était à 16%. Alors, en termes de quelques mois, on est allé de 16% à presque 55% taux de détournage. En termes du commentaire, juste pour additionner un peu, on avait même beaucoup de résidents qui n'étaient pas dans la zone du projet pilote qui nous téléphonaient presque chaque jour pour demander s'ils peuvent être partie du programme. En termes de conclusion,
Le projet de pilote était relativement facile à débuter, moins cher qu'on pensait, et on espère que toutes les villes au Québec peuvent faire la même chose très facilement. Il y a déjà un fonds des redevances qui est des redevances pour l'émission de matières résiduelles qui est fait pour aider aux villes qui veulent faire ces programmes. Juste pour finir, je vais lire les recommandations. On a 7 recommandations sur la page 16. La première, les villes ont besoin d'avoir un modèle détaillé pour faciliter l'implantation d'un programme de collecte des matières résiduelles. Numéro 2, l'argent en provenance des programmes du gouvernement du Québec doit être utilisé uniquement pour des initiatives environnementales et le gouvernement doit s'assurer qu'il est dépensé pour ces raisons. Numéro 3, les résidents ont besoin de plus d'informations via une campagne d'informations publiques à la télévision, sur l'Internet et dans les journaux. Numéro 4, une certification compostable doit être appliquée sur les emballages alimentaires, par exemple les emballages de restauration rapide ou de nourriture à emporter. Numéro 5, le gouvernement du Québec doit garantir que les produits recyclables et compostables sont clairement identifiés et étiquetés. Numéro 6, le gouvernement du Québec doit travailler avec l'industrie et les associations d'affaires de la province pour établir un échéancier de façon à ce que toutes les entreprises au Québec fassent la transition du sac de plastique vers le sac compostable ou le sac en papier. Et 7, notre dernière recommandation, les épiceries, les commerces de gros, de produits alimentaires, les installations gouvernementales avec des cuisines de taille industrielle, par exemple, les hôpitaux et les écoles devraient être obligés d'envoyer leur matière organique au compostage. Merci beaucoup, Monsieur le Président et les membres. Merci, Monsieur Hurley, Maître Brownstein, Monsieur Torgman, Monsieur Levine, Madame Familier. Merci pour votre présentation, mais aussi félicitations pour votre projet. Et vraiment, quand on voit un projet de cette nature qui a ce type de succès, et le fait que vous avez le fait avec moins de moyens et vous avez fait plus avec moins, c'est incroyable, c'est rafraîchissant pour nous, les parlementaires. Aussi, félicitations pour le fait que vous avez pris le soin pour visiter chaque résident dans les 500 résidences, 500 maisons dans ce projet pilote. C'est vraiment ce plan de... une volonté de votre part et je vous félicite. Quelques questions, premièrement, étant donné le succès de ce programme, est-ce que vous pensez que c'est facile pour appliquer ce programme à d'autres municipalités au Québec et aussi pour l'appliquer à travers votre municipalité? Et je me demande aussi, est-ce que vous prenez quelques mois pour l'implémenter à travers votre municipalité? Est-ce qu'il y a une raison pour le délai ou pour étudier les expériences que vous avez? Et aussi, dans votre municipalité, vous avez beaucoup de maisons d'appartements et on sait que le collecte sélective, le collecte recyclable, c'est toujours plus difficile dans les maisons d'appartements. Alors, est-ce que ce programme sera plus difficile dans le secteur où vous avez les maisons d'appartements? Et en terminant, je m'excuse, mais dans un article dans la Gazette de Montréal que vous avez soumis à nous, il y a une indication qu'il y aurait moins de collecte de l'organique pendant l'hiver. Est-ce que c'est correct? Je me demandais, il y avait une petite phrase dans un article dans la Gazette qui a été soumise à nous. Alors, avec ces questions, et peut-être la dernière question, je sais qu'il y aurait beaucoup de compost obtenu. Est-ce que le compost serait utilisé par vos citoyennes ou serait donné à la province? Ou c'est quoi la planification en ce qui concerne le compost? Merci. Il y a quelques questions dans cette question. OK. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Premièrement, je pense que la ville de Côte-Saint-Luc peut être un modèle pour toutes les villes à travers le Québec.
On est une ville assez petite. On a seulement à peu près 31 000 résidents. On est sur l'île de Montréal. Alors, on peut être utilisé comme modèle pour les autres villes sur l'île de Montréal. On a déjà commencé des discussions avec la ville de Montréal, avec les conseillers de la ville de Montréal et aussi les conseillers des villes défusionnées. Mais on peut être utilisé comme modèle pour les villes à travers le Québec, grand et petit. En termes de notre ville, on est prêt en septembre 2008, en septembre de cette année, pour élargir ce projet pour toutes les maisons unifamiliales et les duplex. En termes des appartements condominiums, c'est plus difficile pour avoir la collecte des matières organiques. On est maintenant en train d'élargir et avoir la collecte des matières recyclables. On a notre technicien en matières résiduelles, Oriana Familia, qui est responsable. On est fait dans les derniers prochains, dans les derniers mois et dans les prochains mois, on espère avoir la collecte de matières recyclables dans tous ces appartements, tous ces condominiums. Moi-même, je suis allé la semaine passée à la maison des aînés et j'ai expliqué aux résidents là-bas comment se faire. Et la plupart savaient déjà, étaient déjà au courant de comment séparer leurs produits recyclables. Et j'espère que ce sera un grand succès. En termes de l'article dans la Gazette, c'était une faute. La Gazette a mis une correction. Je pense le jour après ou quelques jours après, mais quand ils ont fait leur correction, c'était une petite phrase. Alors, la plupart des gens ne le disaient pas, mais c'était une faute sur la part de la Gazette. En termes de comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire avec le produit compostage, c'est maintenant utilisé en Saint-Basile-le-Grand, ce qui est le site de traitement. Et c'est utilisé dans une ferme à Saint-Basile-le-Grand. Mais dans notre contrat avec GSI Environnement, ils ont dit qu'ils vont nous envoyer quelques tonnes de matière compostable qu'on peut donner à nos résidents. On n'a pas encore décidé si on va donner gratuitement ou peut-être un coût très bas, mais soit gratuit ou soit pour un coût très bas. Les citoyens peuvent utiliser les matières compostables ou le compost qu'ils ont fait eux-mêmes avec leurs déchets organiques. Madame la députée, McGintic Compton. Oui. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi aussi, je voudrais vous féliciter et je voudrais parler d'une expérience personnelle parce que la ville de Lac-Mégantic que j'habite, qui est une toute petite municipalité de 6 000 habitants, a aussi adopté un modèle qui est un peu similaire au vôtre. Et je vais parler de mon expérience personnelle où j'habite un complexe de condos. Et je devrais vous dire, on nous a fourni un petit bac brun que nous pouvons mettre sous le comptoir de cuisine. Et à l'extérieur, il y a un plus gros bac de compostage où on a les déchets. Et au début de l'essai, il y avait un seul bac brun. Maintenant, on est rendu avec quatre bacs bruns, quatre gros bacs bruns parce que les gens ont vraiment embarqué. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais si on veut que les consommateurs répondent, et je pense qu'on parle de récupération en général, il faut qu'on détermine des moyens qui sont faciles d'accès, faciles d'utilisation, sans problème et puis tout ça. Est-ce que c'est un peu ce qui vous a animé en essayant de choisir une méthode comme ça? Merci, Monsieur le Président. On a regardé plusieurs modèles. Moi-même, je suis visité la ville de Markham, qui est numéro au Canada, peut-être même numéro en termes de tout le monde, en termes de recyclage. Ils ont, je pense qu'ils ont, un taux de 68 ou 69 % de détournage. On a aussi étudié plusieurs modèles au Québec. On a étudié les modèles à travers l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, sur l'île de Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Ce qu'on a décidé, c'est peut-être pas le modèle parfait, mais c'est un bon modèle pour nous. C'est aussi bon pour
que les citoyens ou les autres villes ont un modèle pour voir. Quand je suis commencé à réfléchir sur ce projet-là, j'ai téléphoné Recycle Québec et j'ai pensé que Recycle Québec aurait un plan pour les villes qui voulaient commencer. Ils n'avaient pas. Ils m'ont dit, oh, il y a quelques villes au Québec, il y a sept villes, et une autre ville qui a un modèle déjà, et vous pouvez leur téléphoner. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai téléphoné plusieurs villes, j'ai parlé avec plusieurs conseillers, j'ai parlé avec plusieurs directeurs des travaux publics, et ils ont donné quelques idées, mais je pense que les villes ont besoin d'un modèle, ils ont besoin d'un plan concret pour qu'ils puissent faire un plan eux-mêmes, pour qu'ils puissent voir ce que les autres villes. Pour nous, cette Back to Cuisine, c'est la bonne grandeur. Mais peut-être dans le futur, après que les gens utilisent plusieurs, on va voir que c'est peut-être plus trop petit. La même chose avec le Back Brun, on a décidé d'aller avec trois grandeurs. Parce que les gens, on a décidé qu'il y avait certains qui avaient peut-être des petites familles. Pour moi, on est seulement trois, cette Back Brun, c'est assez. Mais peut-être si les gens ont plusieurs enfants, peut-être s'ils font beaucoup de jardinage, ils auront besoin d'un bac plus grand. De Laurie Dorion. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue de la part de l'équipe ministérielle ici. Des salutations particulières à M. Levine, que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai siégé sur un conseil étudiant dans mon ancienne vie, qui est présent avec vous. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous féliciter personnellement et de la part de tout le monde pour votre initiative. Je trouve que c'est des initiatives qui sont un excellent exemple pour le reste de la province. Une question particulière, je sais que vous avez ce projet pilote, vous avez visité des citoyens. Moi, je me pose une question dans mon comté. Est-ce que vous avez vu, de la part des citoyens de différents groupes d'âge ou des citoyens qui étaient plus récents au Québec, des différences dans les comportements ou dans la volonté de participer ou dans l'habilité de participer dans votre étude sur le terrain? Ça, c'est la première question que je veux vous poser parce que je sais que moi, personnellement, je représente un comté qui a un arrondissement qui est très diversifié. Il y a des différences d'âge, il y a des différences culturelles des personnes qui sont au Québec depuis moins longtemps. J'aimerais savoir si vous avez remarqué des différences et si vous avez des suggestions à ce niveau-là. Et deuxièmement, si vous avez en place quelque chose pour partager cette connaissance-là, ce que vous avez, votre projet pilote, avec d'autres villes, municipalités, arrondissements, si vous avez des idées concernant le partage de votre expérience. Monsieur Lee, vous reste une minute pour répondre à cette question dans cette bloc de temps. OK, merci. Je m'excuse. Premièrement, en termes des citoyens, à Côte-Saint-Luc, c'est une population très mixte. On a des nouveaux immigrants, on a des citoyens qui sont nés à Québec, on a certains qui ne sont pas nés au Québec. En termes de les différences, d'après moi, je n'ai pas vu de différences. On est allé, comme je l'ai dit, on est allé à toutes les maisons. Je pense que quand une personne est là et explique très clairement, c'est plus facile. On a un numéro de téléphone que tous les gens peuvent téléphoner s'ils ont des questions. On a fait tous nos pamphlets en anglais et en français, mais vous pouvez faire aussi dans des autres langues. Les papiers de Toronto, par exemple, sont faits en plusieurs langues. En termes de comment est-ce qu'on peut expliquer à les autres villes, on est prêt à aller à toutes les villes. On est prêt, peut-être mon épouse ne serait pas très contente, mais on est prêt à visiter des autres parties du Québec pour leur expliquer comment ça se passe. Et on est prêt à... Ils peuvent venir nous voir à Côte-Saint-Luc ou on peut aller leur voir. Merci, M. le député de Margaret-Douville. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à vous saluer, souhaiter la bienvenue dans la capitale nationale et surtout de vous féliciter. Parce que ce matin, on a eu des présentations du ministère de l'Environnement, de Recycle Québec, qui faisait état des piètres performances du Québec en matière de recyclage, de compostage. On était, je pense, à 8% de matière compostée. Et puis, vous faites figure de proue dans ce domaine-là. Et puis, tant mieux si vous êtes capable d'en inspirer d'autres. J'ai quelques questions précises. Je vais vous avouer, j'en ai pas beaucoup parce que c'était excessivement clair, surtout avec le DVD. Bon, pour toutes les, vous avez la qualité au moins d'éclaircir des domaines.
Mais les questions que j'ai à vous adresser, c'est concernant la grandeur de l'échelle. T'sais, supposons, là, vous l'avez faite, avec succès apparemment, là, selon ce que je peux voir. Et puis, nous, évidemment, on est intéressés à répéter les bonnes expériences. Et demain matin, on se donne, par exemple, l'objectif de répéter votre modèle à la grandeur du Québec dans chacune des municipalités. Pensez-vous qu'il va y avoir un marché pour ce compost-là? Pensez-vous qu'il y a des débouchés là-dessus ou sinon, on va se retrouver avec des quantités de compost inutilisées et un marché déficient. Est-ce que vous pensez que ce serait viable à la grandeur du Québec? Monsieur Lee. Merci. Merci pour votre question. Premièrement, en termes du taux de 8%, c'est très pire d'après moi. Mais je pense que comme on a augmenté de 16% à 55% dans 4 mois, je pense que ça peut être reproduit dans toutes les villes à travers le Québec. En termes de l'échelle, c'est déjà fait en Ontario. Ils ont des milliers et des milliers de tonnes de produits organiques qui sont détournés des charges. Maintenant, la plupart ou une grande partie du produit organique, du matière organique de l'Ontario vient au Québec. Il y a GSI, il y a Comporec, il y a des autres compagnies qui font le traitement des matières organiques de l'Ontario. J'espère que, d'après ce que j'ai lu, Ontario est en train de faire leur site de traitement près de Toronto parce que c'est très cher de transporter ces matières de Toronto à Québec, au Québec. Alors, d'après moi, quand ça commence à faire que les matières organiques d'Ontario restent à Ontario, il y aura déjà tous ces espaces pour le traitement qui sont déjà faits, qui auront des espaces, qui auront la capacité de prendre toute cette matière. En termes de ce qu'on va faire avec toute cette matière organique ou tout ce compost, c'est une bonne question. Je n'ai pas une réponse parfaite, mais juste pour revisiter l'histoire du recyclage, au commencement du recyclage, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de papier, beaucoup de plastique, et ça restait dans les usines où ils faisaient le traitement de produits recyclés. Après, ça, c'était il y a à peu près 20 ans. Maintenant, ça vient ce jour-là, au fin du jour, ça va déjà être recyclé dans une compagnie, dans un immeuble, dans un autre pays. Je pense que c'est la même chose. D'après moi, c'est la même avec les produits compostables. Peut-être maintenant, on n'a pas assez il y a peut-être trop grand échelle si tout le monde faisait, mais j'espère que dans les prochaines quelques années, il y aurait beaucoup de fermes, il y aurait beaucoup d'espaces qui voudraient prendre ce produit organique et qui vont utiliser pour faire le produit. Vous avez fait mention pendant votre présentation qu'il y avait des inconvénients avec l'achat des sacs de plastique biodégradable. Et vous avez dit, j'y reviendrai. Là. Je comprends que vous n'avez pas eu le temps d'y revenir dans votre présentation. Mais juste pour savoir, la boîte de sacs que vous avez devant vous, là, elle coûte combien? Là? Ça coûte, c'est à peu près, c'est à peu près 3 $ 2 $, entre 2 et 3 $ pour une boîte qui est à peu près de 25 sacs. Okay. Alors, c'est un peu cher. Ce que j'ai dit, c'est dans la recommandation numéro 6, j'ai parlé très vite parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais c'est ce qu'on veut, c'est que si le gouvernement du Québec pouvait nous aider, il aurait parlé commencer des discussions avec les compagnies, avec les épiceries, pour établir un échéancier de remplacer les sacs en plastique dans les magasins avec les sacs compostables ou les sacs en papier. Alors, c'est-à-dire que quand je vais au Loblaws ou au métro, il n'y aurait pas des sacs en plastique, il y aurait tous des sacs compostables. Et c'est déjà fait dans plusieurs villes à travers les États-Unis, c'est déjà fait en plusieurs pays à travers l'Europe et dans des autres pays à travers le monde. Mais ça va pas mal en contradiction avec
actuellement, la tendance qui est de complètement abolir ces sacs-là pour les remplacer par des sacs réutilisables. Est-ce que vous considérez que c'est... Là, j'ai pas d'idée préconçue dessus. Est-ce que vous considérez qu'on devrait plutôt maintenir ces sacs-là, mais de les rendre compostables? Je pense, juste pour... C'est une question difficile. Je pense qu'il faut remplacer les sacs en plastique, et il faut aussi demander aux résidents d'utiliser des sacs réutilisables. Par exemple, on a à notre ville, on a donné à chacun des résidents des appartements un sac réutilisable pour le recyclage. On a aussi à notre bibliothèque, on a remplacé les sacs en plastique avec les sacs réutilisables. Alors, à notre ville, on n'utilise pas de sacs en plastique. Mais pas tout le monde va utiliser ces sacs-là. Peut-être la grande partie, mais il y aurait toujours les gens qui n'utiliseraient pas. Et pour ces gens, on espère utiliser les sacs compostables. C'est presque la même. Je peux après montrer le sac si vous voulez voir. C'est presque la même, mais comme je dis, c'est compostable. Un sac en plastique prend à peu près 500 années pour décomposer. Un sac compostable prend à peu près 5 semaines pour décomposer. Et puis, vous avez fait mention que toutes les maisons unifamiliales, il n'y a pas nécessairement de problème avec les bacs bruns, tout dépendant des grandeurs, mais qu'il y avait des complications lorsqu'on arrivait dans le condominium, dans les appartements. Et puis, la grande majorité de l'île de Montréal est composée d'appartements. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour encourager ça? Est-ce que c'est tout simplement le temps qui va arranger les choses, ou il pourrait y avoir des modèles de compostage plus adaptés, dans le fond, aux réalités des appartements? Oui. Je vais juste commencer la réponse et donner après la parole à conseiller Brownsy. En termes des appartements existants, ça va prendre du temps. Ça va prendre quelques années, mais j'espère que dans le futur, ça serait possible et ce serait facile. En termes de nouveaux condominiums, ce qu'on est en train de regarder, c'est d'avoir des lois qui forcent les nouveaux appartements et condominiums d'avoir plusieurs chutes pour leurs déchets. Par exemple, on a déjà à Côte-Saint-Luc des appartements et des condominiums qui ont deux chutes. Une chute pour les matières résiduelles et une chute pour les matières recyclables. Dans les nouveaux appartements et condominiums qui seront construits, il y aura trois chutes. Un pour les matières résiduelles, un pour les matières recyclables et un pour les matières organiques. Alors, les gens peuvent juste décider, OK, cet sac-là, ça va dans la chute numéro un pour c'est la matière organique. Ça, c'est de papier, ça va dans la chute numéro deux pour matières recyclables. Et les déchets, ça va dans la chute numéro trois. Monsieur le Président. Monsieur Brammeter Brownstein. Merci. Oui, c'est pas facile maintenant, mais c'est possible si on travaille en équipe. Je vois à Côte-Saint-Luc qu'on a engagé, comme on a dit, un technicien, et peut-être dans des villes qui sont plus grandes, on a besoin de 2-3 personnes qui travaillent au temps plein. Et la plupart de le travail que Oriane a fait, c'est elle appelle le propriétaire d'un appartement ou le président de l'association d'un condominium pour trouver une moyenne. Et aussi, on a une équipe des bénévoles qui travaillent avec elle. Et les conseillers municipaux reçoivent des appels des fois. Est-ce que vous pouvez m'aider avec cet appartement? C'est difficile. Ça commence avec une équipe qui est sérieuse. Et à côté de nous, on est très sérieux. On va travailler en équipe, un appartement à la fois, un condominium à la fois. Et c'est juste une éducation, chacun à la fois, avec les propriétaires et les présidents de l'association des condominiums. On peut le faire. Malheureusement, le temps s'est écoulé. Monsieur le député de Ungava. Merci, Monsieur le Président. Félicitations pour votre mémoire très intéressante. D'ailleurs, votre vidéo devrait servir d'exemple pour le ministère, pour une publicité éventuelle pour l'utilisation. C'est très bien fait. Félicitations. J'ai une question à poser sur... vous avez parlé de coûts et vous avez offert aussi, non seulement au gouvernement, mais aussi peut-être à l'ensemble des municipalités ou à d'autres municipalités qui voudraient implanter chez elles un projet comme vous venez de nous présenter. Est-ce que les organismes comme l'UMQ ou la Fédération des municipalités du Québec ou l'UMRCQ, j'imagine qu'ils sont au courant, mais est-ce qu'ils ont suivi l'évolution de votre projet? Est-ce qu'ils
y ont participé ou comme observateurs, ou est-ce que vous avez entré en contact avec ces gens-là pour offrir vos services au lieu que votre conjointe subisse une tournée du Québec, d'amener le Québec à vous via ces organismes-là, mais pas que je ne veux pas vous faire faire une tournée du Québec. Et deuxième volet aussi au niveau des coûts, parce que vous avez parlé des coûts, bien entendu, il y a des coûts à traiter ces types de résidus ou de déchets. Est-ce qu'il y aurait lieu d'augmenter les redevances à ce niveau-là pour aider les municipalités? Certaines municipalités ont plus de facilité que d'autres là, à venir. Donc, deux volets à ma question. OK. Merci beaucoup. En termes de redevances, c'est une très bonne question. Il y a déjà la redevance qui est 10 $ par tonne et l'argent est donné aux villes qui font les projets en termes d'environnement qui prennent l'initiative environnementale. Le problème pour nous dans la ville de Côte-Saint-Luc, c'est qu'on n'a pas encore reçu même un sou. Le gouvernement du Québec a donné 18 millions de dollars à l'agglomération, à la ville de Montréal, mais l'agglomération a retenu tous ces fonds-là et n'a pas donné même un sou. Je pense que le parti pour Côte-Saint-Luc, c'est à peu près 300 000 $. Cette montant-là, c'est assez pour tout le projet pilote. Pour le projet pilote, c'est 20 000. Cette partie-là, c'est 300 000 $. C'est assez pour tout le projet pilote, pour avoir la collecte de matière organique dans toutes les maisons unifamiliales, dans tous les duplex, et aussi même pour acheter les bacs bleus pour tous nos appartements et condominiums. Alors, je pense que l'argent est déjà là. Le problème, c'est que l'argent n'est pas utilisé pour la raison que c'était fait. Alors, si on avait ces 300 000 $, on pouvait avoir demain tout le collecte de matière organique. On a commencé ce projet même sans aucun argent du province, sans aucun argent des autres villes, sans aucun argent de l'agglomération. On a fait ce projet parce qu'on pensait que c'était une bonne idée et c'était le temps de faire. Mais je pense que les autres villes sur l'île de Montréal, les autres villes défusionnées, sont aussi prêtes. Ils attendent leur argent. On a décidé de commencer sans l'argent. J'espère qu'on va recevoir cet argent bientôt. C'est pour la ville de Montréal, 300 000 $, c'est pas beaucoup, mais pour la ville de Côte-Saint-Luc, 300 000 $, c'est beaucoup d'argent. Alors, pour nous, c'est un grand montant et j'espère qu'on aura bientôt. Alors, d'après moi, ce n'est pas nécessaire d'augmenter les redevances, mais c'est nécessaire de voir que les fonds sont utilisés pour la raison que c'est fait. En termes de communication avec les UMQ et les autres organisations comme ça, on n'a pas encore. Je pense que Ariane, notre technicien en matière résiduelle, a parlé avec certains. On a fait déjà plusieurs présentation devant les conseillers de la ville de Montréal, des villes défusionnées, aussi des organisations non gouvernementales à Montréal, mais pas encore dans les autres organisations, mais on est prêt quand ils veulent nous voir. Madame la députée Tachereau. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment extraordinaire de rencontrer des personnes comme vous qui décident de s'engager dans sa société comme ça, dans sa municipalité, puis qui fait, d'après moi, peut faire avancer tout le Québec. Bravo pour ce que vous faites, M. Erderly, et de votre acharnement, votre entêtement à faire avancer le Québec. C'est extraordinaire. Des petites questions, des détails. C'est tellement beau, c'est tellement emballant que je me suis dit, je vais aller voir où il y a des résistances, des difficultés. J'ai vu votre tableau en page 13. Qui montre la courbe de la collecte des matières organiques. Vous avez commencé à une tonne, et puis c'est monté à 3,5, puis c'est redescendu à peu près au même niveau. Est-ce qu'elle indique une désaffection? Comment on explique cette courbe-là? C'est une bonne question. À Côte-Saint-Luc, on a, comme je l'ai dit, on a plusieurs aînés. Et on a plusieurs, comme M. le député Bergman, M. le Président, sache, on a beaucoup de régions qui vont en Floride
durant l'hiver. C'est oui, et c'est la même, si on voit le niveau de collecte de matières résiduelles durant l'hiver, c'est presque la même. Durant l'hiver, c'est à peu près moitié du niveau durant l'été. On a, je pense, on a 30%, à peu près 40% des citoyens, des résidents qui vont en Floride ou vont autre part durant l'hiver. Alors, c'est ça. Aussi, l'autre raison, il y a deux raisons. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est durant la collecte des saisonniers des feuilles, c'est très haut. Alors, c'est ça, c'est cette raison que c'était très... en termes de le mois d'octobre. Mais si j'ai regardé même cette semaine, ça commence déjà à augmenter. Et j'espère en mois de mars, avril, ça va retourner au taux plus élevé parce que en termes de nos résidents, en mois de mars et avril, ils commencent à revenir à Côte-Saint-Luc. Tachereau, il reste 2 minutes pour votre bloc. J'avais plusieurs questions. Écoutez, pour la certification de vos sacs compostables, nous, on a déjà déposé un projet de loi où on cherchait une solution au type de pour sortir les sacs non biodégradables. Là, il y a des problèmes de certification. Comment vous avez réussi à trouver? Vous êtes sûr de votre certification? Vous êtes sûr de vos sacs? Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont faciles à trouver au Québec? Est-ce qu'il y a eu des difficultés de ce côté-là? C'est une bonne question. On a utilisé des sacs avec deux choix de certification. C'est pas facile de voir, mais c'est dans nos annexes. Il y a soit la certification des États-Unis, qui est compostable, c'est le ASTM 6400. C'est une certification. On a aussi utilisé la certification d'Incirco, qui est certification d'Allemagne. Il y a plusieurs. On a parlé, comme j'ai dit, avec Recy-Québec, et on attend, je sais que le Bureau de normalisation de Québec est en train de préparer une certification pour le Québec, et j'espère qu'il y aura un pour le Canada. Mais comme j'ai dit, on attendait, mais on n'avait pas aucune réponse. Alors, on a décidé d'utiliser la certification américaine et européenne, parce qu'ils sont les deux les plus connus. Et on a aussi regardé les villes, comme j'ai dit, aux États-Unis, en Ontario. Et en Ontario, ils utilisent la même chose, les certifications des États-Unis. Malheureusement, le temps s'est écoulé. Monsieur Erdely, Maître Brownstein, Monsieur Torjman, Monsieur Levine, Madame Fumier, merci pour votre présentation. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et on a appris beaucoup de votre présentation. Merci. Je demande maintenant... le groupe Lampage 5E pour prendre leur place à la table. Je suspends nos travaux pour quelques instants.